Quand j'étais plus jeune dans la cité, j'étais loin d'être violent. Y'a qu'une seule fois dans la vie où j'ai atteint le point culminant. J'en étais déjà pas fier avant, je le suis encore moins maintenant. Laissez-moi vous narrer l'histoire, éclairer pourquoi tu commences. C'est une histoire d'école banale comme il y en a tous les jours. Quand t'es scolarisé dans un collège situé au pied des tours. Dans cette histoire j'étais le plus grand mais j'étais loin d'en imposer. J'étais pas sportif pour un sou et je tiens aussi le rôle de l'opprimé. J'étais un solitaire, je venais de déménager, c'était la galère. Alors quand un groupe de 3 ou 4 m'ont pris comme bouc émissaire. Après la cantine à me littéralement me balancer des pierres. Au bout de quelques jours ça m'a énervé, y'a pas de mystère. À un certain moment j'ai senti l'envie de répondre par des coups. Et forcément un jour y'en eut un trop à caillou. J'ai chopé un des cubes à ma portée et à bout de bras je l'ai soulevé. Puis sans plus réfléchir je l'ai jeté par terre et là tout s'est arrêté. Le bruit mou de son corps quand sur le bitume il s'est fracassé. Ça éclaboussait du sang partout, je venais de lui péter le nez. Pendant qu'on le transportait à l'hôpital, je suis resté figé. C'est son enseignant qui m'a pris par la main pour me remettre sur pied. Putain, je crois bien que sur le moment, ce prof, je l'aurais buté. Il m'a forcé à prendre la parole devant toute sa classe pour m'expliquer. J'avais la rage, je comprenais pas, je me voyais comme la victime. Mais l'importante leçon, jour là, c'était qu'il faut expier ses crimes. J'espère qu'au collège, j'aurai des profs comme ça qui donnent des leçons. Moi, en tout cas, monsieur, sachez que je vous remercie de m'avoir poussé à dire pardon. Dans la vie tu croises des carrefours et tu prends des tournants. Parfois tu peux même te retrouver au milieu d'un rond-point culminant. Dans cette minute, dans cette seconde, dans cet instant, quelqu'un peut faire la différence pour que tu tournes pas délinquant. En cette sombre journée j'ai dû mon salut à un enseignant. Bien sûr après le proviseur a appelé mes parents. Et c'est là que l'éducation parentale joue son rôle doré. Comme les miens m'ont bien éduqué, ils n'ont rien eu à ajouter. De voir la déception de ma mère au fond de ses pupilles, c'était pire que de me mettre devant un peloton avec des fusils. Respecter ta mère, respecter ton père, respecter tes profs, ça pourrait être une bonne morale pour ces quelques strophes. Mais je n'en ai pas encore tout à fait fini avec cette journée. Il y a autre chose que ces événements m'ont apporté. Si tu crois comme moi que la force de chacun est dans son caractère, alors tu comprends l'importance de ne pas succomber à la colère. Quand tu apprends que la violence n'est jamais une solution, tu peux t'estimer content, car tu es sur le chemin, le pont. Voilà, j'ai partagé avec toi une de mes petites galères. C'est pas grand chose, y'a pas eu mort d'homme, y'a eu pire sur cette terre. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être aider à comprendre le poids de certaines décisions que tu seras amené à prendre. Et que sérieusement c'est important d'identifier précisément toutes ces étapes qui dans la vie marqueront tes points culminants.